Bonjour les amis, bienvenue au camp des petits amis des bois. Ce week-end, vous allez apprendre plein de choses super amusantes. Comme ramasser des branches, faire des nœuds, chanter des chansons, faire d'autres nœuds. Moi, je vais faire des nœuds, je vais faire des nœuds. Mais pour commencer, chacun d'entre vous va devoir se trouver un nom de totem. Ben, c'est quoi ça, un nom de totem? C'est un nom d'animal avec un qualificatif qui te représente bien. Comme le mien, c'est Renard Joyeux. Parce que je suis rusé comme le renard et toujours de bonne humeur. Ah ouais? Ah, c'est drôle, hein, mais moi je t'aurais plus appelé Castor Joufflu. Castor Joufflu! Castor Joufflu! Castor Joufflu! C'est vrai que c'est un nom qui va super bien avec ta face. Bon, ceux qui sont en faveur que notre moniteur s'appelle dorénavant Castor Joufflu, levez la main. Bon, une bonne chose de régler. OK, Castor Joufflu va nous préparer une coupe de sandwich. Pendant ce temps-là, nous, on va aller faire une petite promenade dans la forêt. Un instant, là! Il n'est pas question qu'on se sépare, OK? C'est moi le chef ici, c'est moi qui décide, et vous faites ce que je vous dis, c'est clair? Relax, Castor Joufflu. Parce que si tu continues comme ça, on va finir par t'appeler truite antipathique. Elle change d'air, là. Ben, écoutez les enfants, là. Avant de s'aventurer dans les bois, il est très important d'apprendre les rudiments de la survie en forêt. Ben, c'est quoi ça encore, là, les rudiments de la survie en forêt? Ben, faut apprendre à bâtir un abri, à trouver du manger et surtout à faire des centaines de nœuds différents. Oui, 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 moi je vais faire des nœuds, je vais apprendre à faire des nœuds. Moi j'ai pas besoin parce que mes souliers ont du velcro. Moi aussi. OK, on va faire des nœuds. As-tu une corde? Je vais t'en montrer un que j'ai appris. Tu vas voir, il est super solide. Bon, enfin un peu de collaboration. Tiens, Gabriel, une belle corde juste pour toi. Youhou, les enfants! Détachez-moi, là! Castor Joufflu, il va aller vous préparer un bon petit lunch!